Eh bien, salut à toutes et à tous. On se retrouve sur un nouveau jeu, donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, donc l'excellent roguelike Hades. Je l'avais vu passer plusieurs fois. Je l'avais vu passer, puis je m'étais jamais mis. Et puis là, j'ai commencé à y jouer, et il est vraiment très bien. Donc là, je suis voilà dans le hub, donc c'est-à-dire la maison d'Hades. Voilà, papa est là. Donc nous, on incarne Zagreus, hein, le personnage ici, qui essaye de quitter l'enfer. Dans la maison, il y a plusieurs personnages avec qui on peut discuter. Bon, là, j'ai déjà tous discuté avec eux depuis ma dernière mort. Tiens, par contre, là, il y a un groupe. Achille est le plus grand guerrier de tous les temps, je vous le dis. Voilà, donc là, c'est Achille. Là, il y a Hypnos, donc l'incarnation du sommeil. Thanatos, l'incarnation de la mort. Qui sont des dieux chthoniens. C'est-à-dire que ce ne sont pas des Olympiens, contrairement à Hadès. Hadès est un Olympien. Cerbère, bien entendu. Alors, on peut le caresser. C'est trop mignon. Et donc, dans notre quête pour s'enfuir, les dieux olympiens, justement, vont nous aider en nous donnant des bienfaits. Donc, c'est en gros, c'est-à-dire des pouvoirs pour nos armes. On a plusieurs types d'armes. Hop, je vais aller dans la salle des armes. Et pendant les runs, on peut récupérer donc non seulement des éléments qui vont nous permettre d'accroître notre puissance dans les runs, mais aussi ceci, donc c'est-à-dire des éclats d'obsidienne, pardon, excusez-moi, qui vont nous permettre d'augmenter la puissance de notre personnage à travers les runs. On a aussi moyen de personnaliser la chambre, tout le palais d'Hadès, etc., etc. Et donc ici, vous avez donc en fait les différents types d'armes. Donc vous avez l'épée, vous avez la lance, le bouclier, l'arc, le gantelet énergétique et le flingue. Donc là, je m'en occupe parce qu'il a un bonus. Au niveau des boons, plus 10% de dégâts aux personnes éloignées. On va prendre d'abord celui-là. Je vais le faire monter au niveau 2. En gros, on peut récupérer de l'ambroisie et ça nous permet en fait de débloquer des souvenirs qui vont nous donner des avantages. Et donc, plus on fait de run avec, plus ils vont monter en puissance. Et ça peut potentiellement devenir très puissant. Par exemple, il y en a un que je trouve extrêmement puissant, c'est celui-ci. Augmenter les dégâts que vous infligez de plus 2% à chaque fois que vous terminez un combat sans subir de dégâts. Ça peut être vraiment très très puissant. Donc, on a un dash. On a une attaque secondaire. On a un lancer donc, qui va... voilà, qui va normalement tout droit, mais pas tout le temps. Et en fait, ça nous permet de faire plus de dégâts aux ennemis. Voilà, donc là, c'était un petit demi. Et on commence. Donc, chaque dieu a ses spécificités. Certains sont mieux que d'autres, je trouve, même si... honnêtement... alors, Athéna, j'aime beaucoup. Athéna, j'aime beaucoup notamment l'élan d'Athéna. Donc le dash. Ah, bon, en plus, on l'a en épique. Donc il y a plusieurs qualités de bonus. Là, en fait, à chaque fois que la qualité augmente, le bonus de départ est plus puissant. Ensuite, on peut les améliorer. Et donc là, on commence directement avec un portail du chaos. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc le portail du chaos, on est obligé de payer un prix de 100. Et c'est quelque chose qui va nous donner un bonus assez puissant et un malus pendant quelques tours. Trois prochains combats, je peux pas gagner d'or, mais mon attaque affligera 75% de dégâts en plus. C'est très très puissant. Technique affligera 65% de dégâts en plus. Non, je vais prendre celle-là. Les attaques qui affligent 75% de dégâts en plus, ça me tente beaucoup. Donc je pourrais pas récupérer d'or pendant les 4 prochaines salles. Et donc bien entendu, chaque ennemi a aussi... chaque ennemi a aussi ses différents patterns, ses différentes forces et faiblesses. Par exemple, à les crânes, c'est des ennemis de base, ils vous foncent dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, on a des brutes. Voilà. Right on cue.
Très bien. Ça se passe bien pour l'instant. Donc là, pour l'instant, j'ai encore un tour. Donc je vais pas aller dans la pièce où il y a de l'argent. Je vais prendre le bienfait de Dionysos. Le bienfait de Dionysos peut être très, très puissant aussi parce qu'en gros, il inflige des dégâts de poison. Ok, très bien, ça s'est bien passé. Alors attention parce que dans les pièges, il y a des pièges. Dans les salles, il y a des pièges aussi. Là, par exemple, si je passe là-dessus, ça déclenche un piège, voilà, vous l'avez vu. Et oui, donc l'élan d'Athéna, ça permet de re... Ah bah super, j'ai augmenté mon portefeuille plutonien. Ça permet d'augmenter l'éclat, enfin de repousser les dégâts, pardon. Et c'est très pratique. Attaque implique l'état intoxiqué. Ouais, je vais prendre ça, je vais prendre l'attaque de Dionysos. Ça peut être très très puissant. Ouais. Ah merde, j'ai pris des dégâts. Donc c'est vraiment un roguelike, hein, c'est un die and retry. Pour l'instant, j'ai déjà réussi une fois à aller jusqu'au boss final, donc à savoir Hades lui-même. Enfin, je suppose que c'est le boss final. Sachant qu'à la fin de chaque étage, de chaque cercle des enfers, on aura droit à un boss qui est de plus en plus puissant. Alors... Oh, j'aime pas celui-là. Ça, c'est un mini-boss. Je l'aime pas du tout. C'est très dur de pas se prendre de dégâts avec lui. Bon, ça va, je m'en suis pas trop pris. Les mini-boss permettent systématiquement d'avoir du rare. Alors, votre vie augmente. Ça, c'est pas mal. Boire dans une fontaine. Alors, ça, en début de game, c'est pas mal. Restaure tous vos PV et augmente vos dégâts de 4%, c'est pas mal du tout. Ouais, je vais prendre ça. Le fait d'augmenter les dégâts de 4%, c'est vraiment assez puissant. Alors eux, il faut faire gaffe parce qu'ils font mal, hein. Ah oui, et les états d'intoxication avec Dionysos se stack aussi. Il y a une boutique là-bas, j'ai 286. Ah, le truc de Dédale m'aurait bien plu aussi. 286, je peux peut-être avoir un truc de Dédale aussi. Dedans. Pas de coin de pêche ici. Si, il y a un coin de pêche. Ah oui, on peut pêcher. À quoi ça sert? Bah, ça sert à avoir des bonus pour la maison. Un Rascos, ok. Alors ici, je vais pas pouvoir prendre les deux bonus. Hermès, éventuellement, si je peux avoir l'élan supplémentaire avec Hermès, ce serait pas mal. Quoique, si je peux avoir le tir qui repousse avec Poséidon, ce serait pas mal aussi. Non, je vais prendre Hermès. Ah. Vous obtenez un peu d'argent. Maintenez enfoncé votre bouton lancer. Le tir fulgurant, en plus j'ai jamais pris le tir fulgurant, donc why not en fait. Et il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de vase avec des pièces dedans. Parce que le truc de Dionysos, j'aurais bien aimé le prendre quand même, non? Non, il n'y a pas. Je vérifiais juste que j'avais bien lancé l'enregistrement. Ok, donc là je récolte. Ah bah voyez, là on a une fontaine, donc ça me ressort 100% de mes PV. Donc en l'occurrence là je m'en fiche mais ça augmente surtout de mes dégâts de 4%. Ça peut paraître pas beaucoup 4%, mais à long terme c'est un bonus qui est très appréciable, croyez-moi. Je crois qu'il n'y a jamais de coin de pêche ici, hein. Alors ici c'est une épreuve des dieux. Soit donc je prends Athéna, ensuite j'ai une épreuve donnée par Dionysos et ensuite j'ai le bonus de Dionysos. Donc potentiellement ça peut être très puissant. Soit j'ai l'amélioration d'un de mes bienfaits. Je vais d'abord prendre les bienfaits supplémentaires de Dionysos et d'Athéna.
comprends. Athéna, j'aime pas l'affronter en. Alors, vaut de lancer, inflige des dégâts en zone et renvoie. Pourquoi pas? Invulnérable et renvoie toutes les attaques. On va prendre le tir de phalange. Et là, Dionysos c'est pas content, donc en gros, il me dit va chier. Ah merde, j'ai pris. J'ai pris du dégât. Ok, c'est bon. Bon, j'ai pris. Ah, j'ai pris 20 dégâts quand même, hein. J'ai pris assez cher. Alors, technique applique l'état intoxiqué. Ouais, on m'en fiche un peu. Bon. Des trucs un peu de merde, hein, quand même. Allez. Ça, je peux les offrir à des personnages pour avoir d'autres souvenirs. Allez, on va partir vers là-bas, vers l'amélioration. Personne d'autre? Ok, très bien. Ok, super, ça s'est bien passé. Et je vais pouvoir améliorer. Bah, je vais m'améliorer ma frappe éméchée, je crois. 8 toutes les 0,5 secondes, sachant que ça stack jusqu'à 5, c'est pas mal quand même. Hein. L'élan divin est pas mal aussi en amélioration, mais je vais améliorer d'abord ma frappe éméchée. Rien. Donc on va passer à la boutique, du coup. Et je pense qu'après, on aura le premier boss. Ah, ça me plaît bien. Vos effets d'intoxication ralentissent également vos ennemis. Très très bien, ça me plaît. On va quand même prendre ça. Des fois je me pose la question de d'économiser. Est-ce que je devrais pas économiser davantage et éviter les boutiques? Donc là il y a trois boss possibles, les trois furies, les trois Erinis, pardon. Là, elle est invulnérable, donc faut que je fasse gaffe. Ah merde. J'ai pris trop cher là. Elle invoque aussi, oui, des sbires de type classique. Ah merde, j'ai pris. Je l'ai pris celle-là. Ah, celle-là aussi, je l'ai pris. Mais bon, c'est pas grave, je vais récupérer toute ma vie à la fin du combat. Faut juste pas que je perde mon refus de la mort. En fait, j'ai deux refus de la mort, je pourrais en prendre un troisième. C'est quand je tombe à zéro, bah, je reviens à 50% de ma vie. Et c'est un bonus que j'essaye de conserver le plus longtemps possible, hein, si possible. Hop, mais ça s'est plutôt bien passé là. Et en plus, je vais récupérer toute ma vie, donc on est plutôt pas mal. Eh oui, again. Instantané, recevez un objet. Infligez 50% de dégâts en plus. Par contre, je vais peut-être changer de boon. Et je vais prendre celui-ci. De boon, de souvenir. Ah, boon, quand je dis boon, c'est bien fait. Hein. C'est les bienfaits. Et donc là, on passe au champ d'Asphodel. Donc vous voyez, le décor change. Hermès, allez, je veux avoir le truc plus un, au moins plus un élan. Alors, faut faire gaffe à la lave, parce que bien entendu, la lave vous fait des dégâts dans ce jeu. Ok, super.
Ah, il y en a un qui envoie des vagues ici. Super. J'ai pas pris un seul dégât. On va offrir le truc à Hermès. Ah bah je l'avais pas encore là-bas en plus la plume étincelante d'Hermès. Parfait. Donc ça me fait un nouveau souvenir à prendre. Alors, vous déplacez plus rapidement, votre attaque est plus rapide. Attaque plus rapide, pourquoi pas. La vitesse de déplacement est pas mal aussi, le délai de délogement est pas dégueu. Mais je vais prendre l'attaque plus rapide. Ouais, c'est pas mal. Alors, est-ce que je repars sur un autre truc comme ça? Oh, non, on va prendre ça. Ah putain. Alors lui, hop. Voilà. Lui peut être chiant très rapidement. Ah, il y en a un autre. Merde, mais je... Ah non, c'est bon, je l'ai pas pris. Parfait. Eh ben, ça s'est bien passé. J'ai pris zéro dégâts sur ce combat-là. Bon, en même temps, il n'était pas très très dur. Je vérifie bien à chaque fois toute la salle, hein, au cas où il y a des vases. Ah bah voilà. Jusqu'à 100. Est-ce que je le fais? Vas-y. En fait, là, j'ai un temps limité pour tuer les ennemis qu'Hadès m'envoie. Et plus je les tue vite, plus je gagne de choses. Parfait. Et j'ai pas pris de dégâts. 77. C'est ok. C'est tout à fait correct. Ah, j'ai pas pris. Voilà. Alors, ici, de l'argent ou de la vie, je vais partir sur l'argent. Oula. Là, j'ai pris cher par contre. Il m'a mis un petit peu cher, le gros. Ils sont chiants, ils sautent partout. Pour les avoir avec mon attaque spéciale qui est un petit peu lente, c'est chiant. Mais ça se fait. Parfait. Est-ce qu'il y a un coin de pêche dans le coin? Alors ici, je peux prendre un... Un cadeau de charron, mais ça ne m'intéresse pas en général, vu qu'ils sont pas permanents, je les prends quasiment jamais, sauf éventuellement quand je suis vraiment en dèche, prendre de la vie, mais sinon je ne prends rien. Déméter ou Zeus? Déméter sur le lancer m'intéresserait bien, ou la boutique, mais la boutique j'ai pas assez de fric. Ouais, non, je vais prendre Déméter. Avec un mini-boss, est-ce que c'est la barge? Oui, c'est la barge. Donc là, je suis coincé sur une barge qui avance et je vais avoir plein d'ennemis qui vont popper. Non, mais. Ah, j'ai pris des dégâts. Merde. Alors je vise les cristals bleus en priorité parce que ils rendent mes ennemis invulnérables en fait. Mais arrête de sauter partout, toi. Voilà, terminé. Et j'accepte le bienfait de Déméter. Alors, technique est plus puissante et applique l'état gelé. Why not? Certains de vos bienfaits deviennent communs, puis leur qualité augmente tous les trois combats.
Non. Non, le fait. Si j'avais. Pour l'instant, si j'avais beaucoup de communs, ouais. Mais j'ai deux épiques et un. Ouais, non, non. Lorsque vous utilisez votre lancer, vous infligez des dégâts aux ennemis autour de vous tout en appliquant les tâches gelées. Ah bah, très bien, ça. Ça me va. Ah, on va aller voir Eurydice. Donc, il y a beaucoup de personnages de la mythologie grecque qu'on rencontre, hein. Eurydice qui va nous permettre d'augmenter la qualité. What I mean is, even if you can't be together right now, I hope it feels better knowing how much he cares for you. And I will try to pull some strings, like you said. I can't make promises when I fall. Well, what can I tell you? Thanks, Your Royal Majesty. That means a lot. No problem. Donc ici, soit je deux de mes bienfaits passent à la qualité supérieure, donc c'est-à-dire par exemple de rare à épique ou de épique à héroïque. Quatre de mes bienfaits gagnent aléatoirement un niveau. Les trois prochains bienfaits sont de niveau supérieur. En général, je prends celui-là ou celui-là. Et je crois que je vais prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Ok. 3, 2, 2. Ok, très bien, ça me va. Juste Eurydice et Orphée. Donc Orphée était un musicien, le plus grand musicien mortel, a priori. Et en fait, il était marié à Eurydice, sauf que Eurydice est morte, alors je ne me rappelle plus comment, ne me demandez pas. Et Orphée, bah, plutôt que de pleurer Eurydice, il l'a pleuré, il est allé la chercher aux enfers. Et en fait, il chante tellement bien que bah, déjà Cerbère, il s'est couché en mode. Et même Hadès a été ému par le chant d'Orphée et lui a dit: Ok, tu peux récupérer Eurydice, je laisse son ombre revenir dans le domaine des vivants, à une condition, tu dois la guider grâce à ta musique et ne jamais te retourner tant que tu es dans l'ombre des enfers. Et donc, Orphée s'exécute et commence à chanter pour guider Eurydice. Il remonte au soleil. Et lorsqu'il est au soleil, il se retourne. Sauf que lui, il était sorti, mais pas Eurydice. Et du coup, Eurydice a disparu. Est retourné aux enfers. Et Orphée, en fait, a continué à errer en chantant son désespoir, jusqu'à tomber sur une bacchanale, donc en gros des adeptes de Dionysos qui faisaient une orgie globalement. Et les bacchantes, donc, lui ont proposé de se joindre à elle. Il a refusé. Et les bacchantes se sont énervé, on va dire, et l'ont décapité, ont jeté sa tête dans le fleuve. Voilà la belle histoire d'Orphée et Eurydice. Voilà. Elle, j'aime pas. Merde, j'ai pris. Ok. Ok. Ok, parfait. Je suis pas sûr d'avoir pris de dégâts, peut-être un petit peu, mais on va prendre des dalles là cette fois-ci. Ah merde, c'est le dernier. Ouais, après c'est le boss, hein. Ouais, c'est le boss après. On va s'améliorer. Technique devient un missile infligeant 80 points de dégâts de base. Pourquoi pas? Attaque, traque l'ennemi le plus proche et inflige plus 10% de dégâts. Oh oui, ça c'est très très bien. Ouais, ça c'est l'hydre. On va aller affronter l'hydre. Donc, deuxième boss. Exact. Ok, c'est bon, elle est invulnérable, donc elle va appeler ses têtes en renfort. Merde, j'ai pris des dégâts. Ok, une tête en moins. Pareil, il y a des minions, enfin des mobs random qui pop. Oh, t'as pas aimé ce que je t'ai fait là. Ah, deuxième phase. Donc là, je vais encore avoir des têtes qui vont popper.
Avec toute cette lave qu'elle met partout, c'est compliqué, hein. J'ai pris des dégâts là, j'ai pris beaucoup trop de dégâts sur cette phase là. Ok, c'est bon. Ok, je lui mets cher, je lui mets cher. Ça s'est plutôt très très bien passé, j'ai pas perdu un seul refus de la mort. Donc du coup on va pouvoir ignorer Patrocle. Oui, je vais par contre récupérer ça. Oh, 120, c'est bien ça. Ah, 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 ah. Mais non, mais j'ai pris tellement de dégâts à cause de ça. Bon, c'est pas grave, je régène ma vie, je régène ma vie avec la fontaine, donc on s'en fiche un peu. Plus 4%, donc on est déjà à plus 12% de dégâts puisqu'on a eu 3 fontaines, c'est la troisième. Et là, on arrive aux Champs-Élysées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 28, ouais, non, pas intéressant. Est-ce que je change et je... Ouais, non, je peux pas reprendre le porte-monnaie ctonien. Non, je vais garder ça. Le plus 10% de dégâts aux... Le plus 10% de dégâts aux ennemis éloignés. En plus, sur une arme à distance, c'est quand même pas mal. C'est quand même un souvenir intéressant. Donc voilà, là, je suis aux Champs-Élysées. On va améliorer... Ouais, non, Aphrodite. Aphrodite, éventuellement, pour le lancer. Non. Faut savoir que, normalement, Hadès n'est pas un dieu maléfique. Loin de là. Hein, c'est l'Occident qui... Vu que c'est le dieu des enfers qui... Ah, merde. Forcément. Qui l'associe à une figure... à Satan. Mais... dans la mythologie grecque, Hadès n'a absolument rien de maléfique. Au contraire, c'est même un dieu plutôt mesuré et calme comparé à beaucoup des Olympiens. Alors, est-ce qu'on la passe? Ouais, non, ça va. Il n'y a pas d'intérêt. 25 à 28%. On va augmenter les dégâts d'élan. Et on va... On va partir sur le marteau de Dédale. Puisqu'en fait, en gros, il faisait son job. Alors, eux, ils sont chiants parce qu'en fait, une fois qu'on les a tués, il y a leurs âmes qui revient. Et qui vont... Hop, merde, putain, mais je prends cher, en fait. J'avais pas fait gaffe. Je l'avais pas vu, lui. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, je prends très cher. J'ai pris beaucoup trop cher sur ce tour-là. Alors, vous pouvez utiliser vos techniques 3 fois de suite avant d'avoir à recharger. Oh, c'est pas mal, ça triple bombardement. Attaque, tir par rafale de 3 projectiles et vous n'avez plus besoin de recharger. Non, ça m'intéresse pas. Ouais. Et je vais regarder si je peux pas récupérer un peu de vie. Pour 100. Ah, ah oui, non, c'est j'obtiens plus 25 de vie. Mais ça restaure rien du tout, donc non, ça ne m'intéresse pas. De l'or, on va prendre de la vie. Voilà, on va chercher de la vie par contre. Ah putain, ils font mal! C'est affreux comment ils font mal! Ok. Oh, eux, ils vont me faire chier. J'ai pris beaucoup trop cher. Bon, j'ai pas pris si cher que ça en fait, mais c'est que j'avais pris beaucoup de dégâts le tour précédent. Donc oui, non, Hadès n'est absolument pas un dieu maléfique, contrairement à ce que nous dit Disney. C'est un dieu posé et mesuré. L'argent, non, j'en ai suffisamment. Je vais prendre le bienfait de Dionysos. Ah non, pas lui. Ah, le Minotaure.
choices led you here. Il fait très très mal lui. En plus, il bouge partout sans arrêt. Bon, ça va, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ah. Ok, là, t'as pris cher. Pour l'instant, je me débrouille plutôt... Ah merde, ça y est, il m'a touché. Il fait extrêmement mal, Astérion. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Lui, il est plutôt respectueux. Et en fait, il est toujours avec Thésée. Donc Thésée, dans la mythologie grecque, c'est celui qui a tué le Minotaure. Et Thésée est insupportable. Il vantard, il est... Alors, votre technique applique l'état intoxiqué. Pourquoi pas? Si votre vie est trop basse, les ennemis intoxiqués en contamineront d'autres à proximité tous les 4 secondes. Là, ça va plus être très intéressant à cet état-là du jeu. Non, je vais prendre ça. Et en plus, je vais avoir Patrocle. Bon. Donc, Patrocle, l'amant d'Achille et son cousin, au passage. Alors donc, en général, à ce niveau-là, j'ai au moins perdu un baiser un refus de la mort. Donc je prends ça, mais là, vu que j'ai mes deux refus de la mort, je vais pas le prendre. Pour les 5 prochaines chambres, vous restaurez 30% de votre vie lorsque vous entrez dans une chambre. C'est pas mal, ça. Et plus 10% d'attaque pour les prochains... Ah non, je vais prendre les mains, c'est Cyclope. Hein. Les 10 prochains dégâts, c'est juste goldé. On va partir prendre... Alors, donc, on va prendre un bienfait au hasard pour 125. Est-ce que je prends cet appel? Exposé, c'est la victime subit plus de dégâts lorsqu'elle est attaquée de dos. Non, je vais prendre le soutien d'Athéna. Donc, en gros, c'est une sorte d'ulti. Je vais améliorer quoi? Technique éméchée, je peux la monter niveau 2. Ouais, on va prendre ça. Charon, tu dis quoi? Ah, il a pas l'air content. Il avait pas l'air content du tout. Ah, mais on n'est pas encore au boss, ok. Bah, du coup, on va prendre la vie. On va récupérer de la vie un petit peu, essayer. Je leur fais très très mal, hein. Mais eux aussi. Alors ça, faut se méfier parce que... Ok, très bien. Ah, super. Oh non, pas elle. Merde, j'ai pris... Oh putain, je prends cher. Oh putain, je prends très très cher. Oh, j'ai réussi. Oh, c'était... Ouais, effectivement, that was close, ouais. Ouf. C'était très très juste. Pour 37, je restaure 63% de vie. 63 de vie. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Zeus. On a que Zeus. Ah, déception. Ah non, une amélioration. Amélioration. Je pense que l'amélioration sera plus utile. Ah, Thanatos. Alors là, on a un défi avec la mort elle-même. C'est celui qui tue le plus d'ennemis.
Donc lui, il one-shot en fait les... Bon, moi aussi, quasiment, hein. Ah, il en a tué trois d'un coup là. Pour l'instant, j'en ai tué plus que lui. Tout va bien. Ok. Et j'ai pas perdu trop de vie. Et c'est moi qui ai gagné. Donc il me donne de la vie, en plus. Et j'ai mon amélioration. Lorsque vous utilisez votre lancer, on passe de 50 à 66. Non, je vais prendre le tir de phalange niveau 3. Ça me paraît plus intéressant. Y a rien. Non, y a pas de coin de pêche. Boutique. Boutique ou vie supplémentaire? Ouais, boutique, vas-y. Boutique, je pourrais prendre une amélioration supplémentaire avec un peu de chance. Ou un bienfait d'Aphrodite. Vas-y, va pour le bienfait d'Aphrodite. Une fois tué, vos ennemis infligent des dégâts aux autres ennemis à proximité tout en leur appliquant affaibli. Ça, c'est pas mal. Tous les cœurs de centaure sont plus puissants. On va prendre le dernier soupir. Et on va prendre aussi, bah, ça. Hein, tant qu'à faire. Et on est parti pour affronter Thésée et Astérion. Ah. Oh putain, oh j'ai pris très très cher là sur les premiers coups là. Je prends beaucoup trop cher. C'est abusé comment je prends cher. Ah, un refus de la mort qui est parti. Ok. Ah oui, ils peuvent faire appel aussi à des dieux. Puis le petit Thésée. Il peut faire appel à des dieux. Oh la merde, j'ai perdu mon deuxième appel de la mort, au refus de la mort. Bon, hop, c'est bon. Lui, je m'en suis débarrassé. Et merde! Ah non, c'est bon. Ouf! Allez, on arrive au dernier étage, donc les portes du Styx. Heureusement que je régène ma vie, parce que là, sinon, ça aurait été impossible. Par contre, j'ai plus de refus de la mort. Ça va être compliqué. Ouais, de toute façon, j'ai rien. Est-ce que je change de boue? Non, on va toujours garder celui-là. Bon, ça risque d'être compliqué là. J'arriverai pas jusqu'au bout, je pense pas, mais au moins ça vous fera une bonne découverte puisqu'on aura fait tous les étages, sauf peut-être Hadès. Je pense pas que j'arriverai jusqu'à Hadès. Voilà, donc là, il y a beaucoup d'or en général ici. Voilà, il y en a encore là. Ok. Bon, c'est tout. Donc on arrive aux portes des enfers. Et donc là, il y a
Cerbère qui nous bloque le passage. Et donc, en fait, le principe de cet étage, c'est que je vais aller dans des trucs au hasard, jusqu'à ce que je trouve les réserves de bouffe. Alors, j'ai pas assez pour m'acheter un bienfait. On va partir sur quoi? On va partir sur les simples. On va commencer par les simples. Oh non, oh là, oh ça se passe mal. Oh ça se passe très très mal déjà. Alors en plus, ça empoisonne et il faut se servir de ça pour guérir. Donc, mais c'est tellement le bordel, les salles sont tellement petites que c'est pas évident. Ok, ça s'est passé plutôt correctement. Lointain souvenir, rang supérieur. Très bien. Hop, je récupère ça. Et je récupère de l'or au passage. Hein. Pour l'instant, j'ai pas encore été empoisonné, donc c'est très bien. Ok, un peu plus de d'argent, je prends. C'est bon, j'ai fait le tour de l'argent. Ah merde. Vous voyez que là, je me suis empoisonné. Ah c'est bon. J'ai été empoisonné, donc je perds de la vie très très vite quand on est empoisonné. Ah merde. Vite. C'est bon. Ok, très bien. Ah merde, 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 je perds ma vie, je perds ma vie. Ok, très bien. Oh là, ça se passe mal, ça se passe mal. Oh putain, je suis à 4 PV. Oh, je suis à 4 PV, c'est affreux. Et c'était pas ici. Quoi? Comment ça, One Man Chamber? Tu te fous de ma gueule? Ah merde, il y avait rien ici. Bon, là, je suis virtuellement mort, hein. Je ne vois pas comment je pourrais survivre. Alors j'ai 341, je peux prendre les deux bienfaits supplémentaires. Vas-y, je prends les deux bienfaits supplémentaires. On va prendre l'after party. Et vous infligez affaibli si je subis des dégâts. Vas-y, on va prendre ça. Je serai à 10 PV. On va prendre Aphrodite. Bon. Eh merde, je suis mort. Eh ben voilà. Eh ben voilà, je suis complètement décédé. Je suis complètement décédé, mais bon, voilà, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais juste aller vous faire un petit peu le tour des discussions. T'as rien à me dire, Hypnos? Non, rien à me dire. Alors, Achim, t'as quelque chose à me dire? To them once they die and once they end up in this place. They had their stories, definitely so. They fear your father, understandably. They also fear your dog. But most of them know precious little else. Even the. Ok. Alors, Achille est quand même beaucoup plus sage que ce qu'il est dans la mythologie grecque. Thanatos, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non. Donc ici, là, je peux avoir mes statistiques. Donc vous voyez que j'ai fait 46 tentatives d'évasion en tout. Et là, j'ai les résumés de chacune de mes... Ah, c'est cette run-là où je suis allé jusqu'à Hadès avec le canon adamantin, encore une fois, qui est une très bonne arme. Vraiment une très bonne arme. Et donc là, c'est... voilà, la lame du stick, c'est celle que j'ai le plus utilisée.
Là, les bienfaits, tous les bienfaits que j'ai pris. Les marteaux de dédale, tout ce que j'ai pris en marteau de dédale, les différents aspects. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'aspects, oui, ça, c'est un autre truc du jeu dont je ne vous ai pas encore parlé. On va d'abord faire le tour, voir s'il n'y a rien. Orphée, t'as quelque chose à nous dire? Politely, perhaps not. Well, tell them what... Get the word out. But I am court musician of this house. My songs no longer reach too many ears. Although... Ok. Donc ici, là, je peux rénover. Voilà, par exemple, bah, on va nettoyer le salon. Ah, excusez-moi. Donc voilà, ici là je peux prendre des améliorations de la maison. Tiens papa, t'as quelque chose à me dire? Oh, je sens un poil de respect. You know these heroes by their deeds, not by their character. Heracles is fortunate he's in my brother's favor. Else he would be in Tartarus where he belongs. The mortal concept of what constitutes a hero is absurd. Oui, Heracles, hein, c'était pas... Heracles, c'était pas un mec bien, quand même. Considerable progress. Though the setbacks that you faced within the temple... If it is... What, father can't control the pest problem? Never thought I'd be of any help rampaging through the. Do as you must. Your victory is delivery for the okay. Don't test me any further, Zagreus. D'accord. Rien de nouveau ici. Voilà. Le Raskos, en fait, je peux lui vendre et il me donne des richesses, enfin des rubis, des bijoux, pour aller débloquer ça auprès du contremaître. Dans le salon, par exemple, bah, répare les dégâts affreux causés par Cerbère. Et là, on va voir que les griffures vont disparaître. Voilà. Ah tiens, l'employé du mois a changé. C'est qui ça? Ce serait pas Thésée, non? Ou Thanatos? Non, c'est pas Thanatos. Ok, je vais prendre... Autorité prédestinée... Statut privilégié, ça fait quoi déjà? Plus de dégâts aux ennemis affectés par au moins deux malédictions d'état, plus 20% par niveau. Oh, ça c'est oui, c'est très fort ça. Et voilà. Très bien. Eh ben écoutez, moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je pense que ça fait suffisamment longtemps. Oui, 50 minutes, c'est très très bien pour une vidéo. Donc, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez voir d'autres runs de d'Hadès. De toute façon, j'en ferai en live aussi, donc pas de souci. Mais si vous avez envie de voir d'autres runs d'Hadès, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant, je vous dis à toutes et à toutes une très bonne journée. Salut, bye bye!